Et salut tout le monde, c'est Benji, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 du journal du hack, et cette fois-ci, on va parler d'un skin qui est sur Fox, mais qui va rappeler des excellents souvenirs aux joueurs de Brawl, c'est tout simplement Wolf. Oui, c'est bon, là je l'ai sélectionné, donc hop, on va juste mettre ça, on va mettre un perso random typical Greninja. Wolf, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, alors, le skin est évidemment excellemment bien fait, tiens, on va aller là-dessus. Le skin est vraiment très 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 bien fait. Le seul truc, évidemment, pour ceux qui s'attendaient à jouer Wolf, alors oui, effectivement, c'est bien Wolf, hein, ça a la tête de Wolf. Mince, un petit peu raté. Ça a la tête de Wolf, ça a le skin de Wolf, c'est vraiment Wolf. La queue est un petit peu chelou là pour le coup, mais c'est un détail. Hein. C'est Wolf. Le seul truc, c'est qu'évidemment, ça va être le gameplay de Fox, même si d'ailleurs, on voit dans les traits du visage que même si ça a globalement l'aspect de Wolf, on peut voir que ça a quand même un léger faux air avec Fox. Enfin bref, moi je vous propose d'aller tout de suite en Wi-Fi pour aller tester un petit peu ce skin. Et donc on est parti en Pour la Gloire, on va tester un petit peu ce skin de cette texture hack de Wolf plus précisément. Même si comme vous avez pu le voir, il y a... Bon, la texture est vraiment excellemment bien faite et pour ceux qui avaient l'habitude de jouer Wolf, enfin qui adoraient le personnage de Wolf sur Smash Bros Brawl, comme moi, ça vous rappellera d'excellents souvenirs, même si pour le coup ça aurait été vraiment cool de retrouver un vrai Wolf hein, en DLC, j'aurais pas été contre à la place de... Bah genre par exemple Lucas, hein, c'est pas du tout un personnage que je porte dans mon cœur en tout cas. Donc hop, la petite garde. Ça aurait été vraiment cool de retrouver Wolf qui avait vraiment un gameplay qui se démarquait pour le coup vachement de Falco et de Fox, même s'ils se sont dit que... Bon, j'ai pas l'explication de pourquoi il y a Lucas, même s'il devait très certainement avoir une fanbase assez grande. Donc, hop, ça c'est cadeau. Alors je sais que les PGM de Fox font un truc avec ça, malheureusement moi je ne suis absolument pas un PGM de Fox. Je sais qu'il y a des enchaînements assez sympathiques à faire avec Fox. Malheureusement moi je ne les connais pas. Alors ça c'était très mauvais pour le coup. Alors ce con... Ah, j'essaie de placer un truc depuis tout à l'heure mais... Voilà, c'était un petit peu ça mais malheureusement il a roll à ce moment là donc hop ça on va... Le shield, on va mettre des coups de blaster, ce n'est pas passé. J'ai complètement raté la punition, bon ça se punit par contre. J'avais complètement raté ma punition, j'avais oublié de mettre le upswat, j'ai voulu jab pour une raison qui est totalement inconnue. Hop, on tempo un petit peu en l'air, on revient sur le terrain. Très très mauvais pour le coup de finir juste derrière lui. Bon alors ça c'était excellemment mauvais aussi encore une fois. On va faire le petit wall jump histoire de dire on sait wall jump avec Fox, même si ça n'a pas grand intérêt de wall jump à cet endroit là. Je sais qu'il y a des moyens de faire des trucs assez sympatoches avec des wall jump. Je crois que le détilt de Fox ne sert pas à grand chose. Bon alors lui il attend pour me mettre son down B, ça non. La dash attaque. Hop, la dash attaque. Nye. Hop, ça, on punit. Malheureusement, on ne punit pas bien du tout. Alors, je sais qu'il y a une nouvelle technique avancée, encore une fois, qui est sortie pour tech les spikes au sol, en fait, quand vous êtes au sol et qu'on vous met un DR qui spike. Confond, lui, à rouler H24. Un DR qui spike pour pouvoir vous relever beaucoup plus vite, mais ça sent le genre de manip qui va être utile que dans une situation très précise et qui ne vous fera absolument pas gagner la game. Donc voilà, ça c'était un excellent petit enchaînement en bord de stage. Je crois que c'était genre dash attack, up tilt, deathmatch sur un Falcon qui avait déjà utilisé son saut. Alors évidemment le deathmatch de Fox qui est meurtrier en bord de stage. Donc voilà, ça sera à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo sur cette texture hack de Wolf. La prochaine fois on va non pas faire 1, ni 2, ni 3 mais... Je crois qu'il y a 4 skins à vous montrer la prochaine fois. Ça sera sur une série en particulier. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Tchuss !